t'a fait quoi? Ben, je dis bien fort, mais bien, on t'a fait quoi? Bon, quand vous êtes une autorité, une personnalité, là, je vais essayer de reformuler un peu la phrase. Son Excellence Faure Gnassingbé, on vous a fait quoi? En fait, quand je dis vous, il y a d'abord vous-même et votre gouvernement. On vous a fait quoi? Dans ce pays-là, hein, on vous a fait quoi? La famille, mais comme vous le savez, bon, le 25 mars, le lundi 25 mars 2024, mais on a dormi dans la 4ème République et maintenant le lendemain le 26, mais on s'est réveillé maintenant dans la 5ème République. Voilà. Donc c'est au courant par rapport à la nouvelle constitution du pays. Ouais, maintenant on était dans la 4ème République. Maintenant, on passe maintenant vers la 5ème République. Autrement dit, on quitte du régime présidentiel au régime parlementaire. Et ce qu'on a pu entendre, c'était dans la nuit. Voilà, qu'ils ont fait ce. Voilà, ils ont voté. Bon, c'est là, bon, on ne sait pas, bon. Bon, en effet, on dit Zambeto Yonia. Donc, Zambeto Yonia. Bon, on ne comprend pas. Mais je pense que c'est des états quand même, on a essayé un peu de comprendre par rapport à ça, par rapport à fait de la nuit, c'est la nuit, ils ont fait la faute. Bon, en tout cas, c'est des états comme si vraiment vous suivez les actualités. Donc, sur la TVT récemment, il y a eu des débats. Hein. Donc, c'est par rapport à ça, moi, personnellement, j'ai compris la fait de nuit là. Hein. Pourquoi c'est la nuit? D'après l'explication, ce n'est pas dans la nuit qu'ils ont convoqué cette réunion pour adopter cette nouvelle loi. Que le lundi, ça a commencé déjà à 9h. Vous voyez un peu. Et même le travail, même par rapport à cette nouvelle constitution, ça a commencé depuis même. Ce n'est pas seulement un seul jour. Donc il y a eu d'abord 2 jours avant de faire quelque chose, 2 jours. Donc il y a eu des travaux en commission jusqu'à maintenant le lundi. Et le lundi, les travaux ont commencé déjà à 9h. Donc d'après les dits des uns et des autres des députés, donc généralement, mais depuis là, il peut commencer. Un travail déjà à 9h, mais il peut terminer vers 19h, 2h, 1h du matin. On voit un peu, donc ce fut un peu le cas aussi de la nuit du 25 mars, voilà, 2024, par rapport à l'adoption de la 5ème République. On voit un peu, non. Et aussi dans le débat également, j'ai cru entendre un peu également qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été écoutées aussi dans la nuit. Exemple, le code de la presse, par rapport au code de la presse, par exemple, donc c'était même dans la nuit, même on fait la route. Donc, comment dire, non, le bout plutôt, je m'excuse. Non, excusez-moi. Vous voyez un peu, non? Ah, donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs lois qui ont été votées dans la nuit, la famille. Vous voyez un peu. Ouais, même si on prend même la loi par rapport aussi à la CNDH, le vote, vous savez que ça m'a eu le vote, non? Par rapport aux membres de moi, du CNDH, comité national des droits de l'homme. Ah, donc bref, ce n'est pas seulement cette fois-ci, c'est moi, lui, la nuit. Donc bref, ça se fait. Donc là-bas, je sais un peu d'enlever un peu l'ambiguïté ou l'équivoque concernant la nuit. Maintenant, avant d'attaquer un peu encore son excellence, son Gnassingbé, je vais revenir un peu sur les opposants en question. Les opposants, comme vous le savez, on a pu entendre que c'est sur 91 députés à l'Assemblée nationale, c'est 89 qui ont voté cela. Ouais, 89 qui ont voté. Je vais sortir 89 sur 91. Une abstention et un compte seulement. Mais autrement dit, et unir la beauté et aussi les opposants si on voté. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, c'est là ce que je comprends. Je ne comprenais pas avant. Comment se fait-il que maintenant, le lendemain, maintenant, je vois aussi les opposants qui convoquent des réunions, des conférences de presse pour contrer maintenant. Ce qu'ils ont fait pour appeler à la mobilisation, tout ça là. Bon, oh putain, c'est eux aussi qui ont voté pour. Eux ils ont voté. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Vous voyez un peu, non? Mais c'est après que j'ai compris également que ce n'est pas toute l'opposition là, qui sont aussi à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, actuellement, il y a quelques. Voilà, les partis politiques, quoi. Vous voyez un peu. L'exemple, si on prend ANC, ADI, donc ils ne sont pas actuellement à l'Assemblée nationale. Et effectivement, je crois bien que c'est Adi Anzi qui
qui convoque ces conférences de presse, ces mobilisations, vous voyez un peu, non. Donc par rapport à ça aussi, j'ai compris également que ça c'est aussi un jeu politique. Vous voyez un peu, non. Comme eux ici ne sont pas là-bas, donc eux ici, ils n'ont pas bien compris ce qui s'est passé. Vous voyez un peu, non. Et effectivement, moi personnellement, comme une fois ces derniers temps, lors des débats sur l'activité, et que j'ai, en tout cas, j'ai pu comprendre un peu et moi, la chose. Donc là, comme vous voyez un peu, non. Donc il y a aussi un autre point, c'est par rapport aussi au référendum. Donc déjà, on avait cru que on a appris que la 4e République a été adoptée par un référendum, ou par avoir référendé en 92, tu vois un peu. Et on se demande pourquoi cette fois-ci il n'y a pas eu aussi un référendum. Parce qu'un référendum, comme vous le savez, c'est un vote par oui ou par non. Ouais, non, rien comme ça aussi, c'est comme s'il y a eu la consultation du peuple, il y a eu la consultation de la population, comme ça nous aussi, on est au courant. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Mais quand même, ils ont essayé aussi d'expliquer cela, et puis par rapport aux tests, aux règles, aux articles dans la constitution, et puis, une fois on veut adopter une nouvelle constitution, et puis, quand le vote est à 4/5, voilà, 4/5, donc il n'y a plus de référendum. Donc si le vote maintenant est à 2/3, ouais non, hein, donc ça ne peut-être pas à 2/3, là on passe maintenant au référendum. Mais comme vous le savez, donc bon, vous convenez avec moi qu'automatiquement, on avait dit que c'est 89, c'est 91. Donc, autrement dit, donc le 4/5, c'est atteint. Ouais, mais donc, pour cela, il n'y avait pas eu maintenant du référendum. Donc je pense que maintenant, par rapport à plusieurs de nos questions, je pense que ces derniers débats de ces derniers temps, bon, on a essayé un peu de comprendre un peu et les choses. Vous voyez un peu, voilà. Et aussi, comme vous le savez, une fois la constitution est adoptée par l'Assemblée nationale, maintenant il faut que maintenant le chef de l'État la promulgue, voilà, la loi. Vous voyez un peu, la mettre en vigueur. Et ce fut l'autre fois, bon, en tout cas, depuis là, on attendait aussi la sortie de son excellence, M. Faure Gnassingbé, par rapport à ça. Et effectivement, l'autre fois, voilà, il a sorti un communiqué, donc il a demandé à l'Assemblée nationale de faire une deuxième lecture, de la loi pour dire, vous voyez un peu, donc, voilà. Sinon, encore une fois, comme le sait moi et comme souvent ils disent, c'est qu'une fois, une fois la loi pour dire, donc il faut au moins deux semaines, quoi. Ah, deux semaines, c'est le délai pour que le chef de l'État fasse. Comment dire, promulguer la loi, quoi. Ah, mais avec une bonne surprise. Ah, donc le président a dit non, il faut revoir par rapport au sein, par rapport la réaction qu'a suscité la population au sein de la population par rapport à la réaction. Donc il a demandé une nouvelle lecture. Je pense que bon, ça c'est bien fait. Et encore une fois, cette dernière temps, ça nous a permis, en tout cas, aux autres de comprendre un peu plus par rapport vraiment à cette nouvelle constitution. Donc, la famille, je pense que j'ai essayé un peu de brosser un peu, et, en tout cas, la thématique, si on peut le dire. Donc, j'attends aussi vos avis, vos opinions dans les commentaires, ce que vous pensez vraiment des nouvelles explications par rapport à ça. Parce qu'au début, bon nombre de gens n'avaient pas les mots à dire par rapport à ça. Mais je pense que c'est derniers temps qu'on a maintenant avec les idées. Donc, encore une fois, j'attends vos réactions dans les commentaires. Je suis Elvin, nous dit ciao, tchoba, pou pou.